Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, vidéo en Heroes Arena, saison 5 il me semble, un truc comme ça, saison 5 ou saison 4? Pas 6, je sais plus les gars, bref, hein. De toute façon je vais mettre la saison en titre. Donc mon Heroes Arena, donc forcément, bah, avec des team à OPCP, etc, vous connaissez les bails. Je sais pas si je ferai une vidéo avec des teams non à OPCP en vrai. D'ailleurs excusez-moi les gars, je suis un peu malade, hein, donc si ma voix elle est bizarre, c'est normal. Donc les teams, les voici en challenger. Ouais. Donc la team Inco, ouais. Ok. Alors ça les gars, c'est bien. C'est bien pour des noms à OCP. En vrai, les defs en non à OCP sont pas mal. Et ça c'est pareil en fait. Pourquoi faire des vidéos, je trouve ça compliqué en non à OCP actuellement parce qu'il y a le TSA. Donc forcément, si je vais sur un compte et il y a un personnage qui est TSA et ça joue au pixel près, bah les gars, je peux rien faire de plus. Tu vois? Donc je sais pas les gars, si je ferai une vidéo honnêtement. Ouais, on verra, ça dépend de ma motivation. Mais a priori, le Heroes Arena, je trouve que ça va. Vu les teams, ça va. Ici, c'est un peu chance, hein. En fait, là... Ici, la team, c'est vrai qu'il y a la team Disa avec Eren. Et ça, honnêtement, les amis, s'il y a la relique Roxy, c'est le jour et la nuit, je vous dis directement. Même sans Eren, hein, d'ailleurs. La relique Roxy, elle change littéralement le perso, donc... Ouais. Ouais. Bon, ouais, c'est les mêmes teams H24, j'ai l'impression. Yep. Tac. Elle est où la team inconnue avec, avec Nashi là? Avec frère. Je pense que la team là, je vais la tenter avec. Attends. En vrai, je pense que j'ai déjà les idées de team. Donc les persos saisonniers. On a bon forcément Melo King. Donc là, on va aller à gauche. Je pense que je vais prendre une team démon à OPCP. Avec le nouveau Melo. Alors, cette team aussi, elle peut marcher. Donc ça, c'est mes anciennes teams, les amis. C'est que cette team, elle peut marcher. C'est que les teams sont pas ouf hein, non plus. Hein. Donc en vrai de vrai, je pense que tu. En vrai, il y a moyen de faire des grosses dingueries, honnêtement, les gars. Hein. Mais je vais pas jouer ça ici. Je vais jouer le nouveau Melio. Donc hop, nouveau Melio. Donc on aura 20% de all stats. Hein. Déjà, ça, les gars, c'est totalement abusé. Et on va prendre Estarosa. Hein. En vrai, on va prendre Estarosa et Kuzaxel. Hein. Je pense, les gars, ça se fait tranquille. Hein. Comme ça, on est full boosté, on one-shot tout le monde. Enfin, c'est une team qui est logique, en fait. Hein. Genre, honnêtement, les gars... GG, hein. Regarde la CP de la team. Non, mais frérot, c'est inquiétant. Hein. Je jure, les gars, Meliodas, il est mais totalement déséquilibré en termes de CP. Là, je joue en attaque DCC. Donc, voici les stuffs. Hein. Full HP def, etc., vous connaissez. Mais le Melio en attaque DCC. Et bah, le set de cartes, en vrai, il y a peut-être moyen que je mette le set de cartes démon, hein, très honnêtement. Hein. Hop 28 et GG à nous, on a été meilleurs. Hein. 342 000. Hein. Bah parfait les amis. Hein. Si vous avez pas la CP, vous mettez le 7 CP, c'est je pense la même chose. Donc là on est parti. Premier village. Ouais, bah en vrai, je pense que c'est une team de Gaulmont. Hein. Écoute, on va taper comme un gros Gaulmont. Hein. GG à nous, on a été meilleurs. Hein. Merci le game. Bon bah. GG à nous. Ouais, les stats qu'on a, mes frérots, c'est très très inquiétant actuellement. Ok. En fait, c'est Melo qui va one-shot tout le monde. Ah. Oh, le jeu, il est inquiétant, vraiment. Dans un état le game. Bon, Estarosa, il s'est fait taper, mais vas-y, hop, on va terminer avec Estarosa. Donc ouais, bah les gars, c'est du one-shot, hein. Écoutez, c'est du one-shot, hein. Ouais, même. Ouais, bon. Ouais, en vrai, les gars, le Melio est totalement déséquilibré. Hein, honnêtement. Ah, il est pété le perso. Hein. Il a un problème dans le jeu, le perso. Hein, je te dis. Hein. Pour moi, ce personnage, les gars, il est 2 IQ cher. Hein. C'est trop grave de mettre un 2 millions en AOE en fait. Genre, vraiment, les gars, 0 van.
Mettre 2 millions en AOE, mais c'est pas normal en fait. Genre 2 millions en AOE, mais sans boost, enfin sans boost, on se comprend. Quand je dis sans boost, c'est sans le passif, etc. Bien évidemment, il y a les boosts, il y a la règle, plus les deux BG là qui boostent à fond. Mais les gars, je veux dire, le personnage, il mange très bien là. Hein. Et voilà les HP en face. Hein. Oh bah c'est du one shot, hein, je veux dire les gars. La team c'est one shot land. Hein. Ah, déjà je vois les dégâts de Zell, frérot. C'est inquiétant. Hein. Même Kusa qui fait mal. Ah ouais c'est... Ah ouais il est bien le jeu. Hein. Non, vraiment il est très très bien. Hein. Oh mais Lio c'est un bon personnage hein. Ah le Heroes Arena c'est bien hein. Ah, franchement les gars le Heroes Arena c'est devenu n'importe. En fait plus on va avancer dans le temps, plus ça sera débile parce que bah forcément on aura des personnages avec de plus en plus de stats. Et même vous les gars vous allez le faire facilement, bon tant mieux hein. Vraiment le mode de jeu en vrai c'est vite rompi je trouve. Ah par contre là il y a un shield, c'est vrai que c'est un peu chiant le shield. Tout le monde les gars au one shot pas hein. Oh ouais, 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 one shoter hein. Je fais le mec mais vas-y frère ouais, one shot hein. Bah il est inquiétant le perso. Il est inquiétant le perso. Frérot je mets une AO, je dégomme tout le monde en fait. Ça a aucun sens. Non mais les gars il y a... Dans un état le game. Oh il me fait peur le jeu carrément. Je te jure hein. Une envie de chialer actuellement. Oh je vais faire AOE, AOE et tourbillon en vrai hein. Ou la mono de Melio. Pour sécure. C'est quoi je vais faire le tourbillon. Ouais, je me dis que normalement ça devrait le faire. Oh, regarde les dégâts. En fait là il y a un damage cap donc c'est un peu plus chiant. Mais on va baisser la vie de toute la team. Là on va juste prendre des AOE mono etc. En gros on va peut-être perdre. Ah non on va rien perdre hein. Pourquoi je fais le mec à réfléchir etc. On va rien perdre du tout en fait genre. Estarosa il va prendre cher. En vrai il va être pixel sans doute Estarosa. Non en fait. En fait, j'abuse, genre, en fait, dans ma tête, les gars, la team, on tanque pas, mais si, on tanque, en fait. Ah, mais c'est... Franchement, les gars, je vous le dis, pour moi, c'est inquiétant de voir ça, hein. Dis-toi que là, le combat dure 2 tours, pourquoi? Parce qu'il y a un damage cap, hein. Il n'y avait pas de damage cap, les gars, c'était pareil, hein, 1 tour, hein. En fait, ça sera toujours 1 tour, hein, les combats. À part s'il y a un revive, genre, type, aussi, team archange. Et là, damage cap, vous connaissez. Mais sinon, ouais, c'est bah, c'est du 1 tour. Hein. C'est 3 skills, GG wellplay, donc change de combat, quoi. Ah, bah écoutez. Et encore, les gars, ça, c'est la première team. Hein, avec le Melio. Hein. En vrai, il y a d'autres teams. Je pense, les gars, que vous pouvez faire, mais un tout droit, sans réfléchir. Genre là, après, j'ai l'idée de team avec Tyr. Donc King, etc. Hélène, en vrai, je pense que tu peux faire un tout droit, mais en mode débilos. Hein. Zéro van. Hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des giga dingueries. Hein. Et là, bon, en plus, ça c'est. Attends, derrière, il y a la relique Roxy. Ah, il y a la relique Roxy. En vrai, les gars, la relique Roxy. Allez, attention, en plus, elle est SP6 en challenger. Donc, 10% de stats liés à l'attaque supplémentaire. Ouais, en vrai, non, AOCP, ça va être compliqué si tu joues des persos rouges. Ouais. Bah, fou. Allez, hein. Inquiétant le game, vraiment les gars, il est inquiétant! Lol. Bon. C'est quoi les autres teams? Ouais, tac tac tac. Là, en vrai, il y a peut-être un Termiel qui se balade. Une team archange. Je sais qu'ici j'avais fait une team archange. Bah, de toute façon, en vrai, de vrai, je peux. Je vais utiliser la team archange, honnêtement. Ouais, c'est à peu près les mêmes teams partout. Donc là, une team inconnue que j'ai utilisée à l'époque. Bah là, dites-vous, les gars, c'est mes teams de l'ancien Heroes Arena. Hein, donc forcément, bah ça a sauvegardé.
Mais là, je vais changer. Donc, en vrai, en team, je pense qu'on peut jouer un truc comme ça. En vrai, ça dépend si j'ai la CP. Si j'ai pas la CP, bah écoutez, les gars, on va pas se prendre la tête. Hélène, après, on va prendre élevé. Et tir, en vrai. Tir, je pense qu'il y a moyen de faire des petites dingueries, en vrai. Une petite AO, on n'en parle plus. Tu connais les bails. Bah, 341 000. Parfait, hein, j'ai envie de dire. Check le jeu, quand même. Ok. En vrai, ma Hélène, les gars, elle fait pitié. Hein. Genre, les skins sont même pas full améliorés. Bah, je l'ai skiné avec la promotion des skins. Le King, bah, il est SP2. Ça va, du coup. Hein. Tir. Ok, tir. Bon, c'est le bon stuff. Le attaque des... Enfin, le HP, pardon, c'est pas le bon. Est-ce qu'on est 15% en HP, ici? Ouais, c'est le moins bon. Genre, ouais, il y a celui-là à mettre, mais vas-y, flemme. Je perds un peu de CP. De toute façon, AOCP déjà, donc on s'en fout. Donc, en vrai, je vais tester cette team, les gars. À tout moment, c'est catastrophique. Mais bon, écoute, on est là pour tester. Donc, bah, let's go. Hein. Base 3 avec cette team. En plus, on a la spéciale. On a la règle spéciale, pardon. Donc, on a des stats supplémentaires. Plus Hélène, etc. Donc, en vrai, je me dis que la team. Pour moi, ça marche, en fait. Hein. En théorie, les gars, la team marche. En fait, on va faire beaucoup de dégâts facilement. Tu vois les stats? Bon, tu as 32 000. En fait, il y a le shield de King. Il y a Hélène. Ouais, les gars, ouais. Hein. Terrifiant un peu. Hein. T'as, mais en vrai, c'est que t'as des stats de zinzin. Enfin, je veux dire, les gars, quand on voit les stats, on pète notre écran. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, je vais mettre full à haut. De toute façon, on est censé tuer. Ouais, 601 000. Ouais, bon, bref, la team, elle est cheatée. En 2 secondes, j'ai déjà vu. Hein. Lol. Ah, c'est... Même King, en vrai, il va faire mal, hein. Une perforation avec autant de boost, en vrai, c'est pas mal, hein. Bah, GG. Ah, il est bien le jeu. En fait, toutes les teams, c'est one turn. One turn, one turn, one turn. Alors là, par contre, la team... C'est vrai que cette team, si on loupe des crits, hein, on est peut-être chocolat. Il y a peut-être un monde où on va louper plein de crits, je sais pas, les gars. En fait, c'est Tyr qui peut nous troll, ici. Bah, après, Tyr, ça va, il y a beaucoup de chance crit, hein. En vrai, tout au moins, les gars, on se fait troll partir. Combien de chance crit? 180% avec tous les passifs, etc. Bah, tu sais quoi, on va faire classique. Hein. Ah, ouais, tu vois, c'est tir. Hein. S'il crit pas, les gars, on joue pas au même, je vous le dis. Voilà. Comme je disais juste avant. Donc, les gars, faut faire attention ici. Parce que là, en fait, le truc... En fait, Tyr, il va prendre des dégâts, hein. Tyr, il va prendre les dégâts. Oh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, Tyr va prendre les dégâts. Donc, ouais, pixel, voilà. Et là, en vrai de vrai, les gars, il y a des petits trucs à faire, je pense. Genre, par exemple... Mais là, en vrai, on a des stats de zinzin de l'espace, les gars. Hein. 33 000 d'attaque. D'accord. Donc là, on va tuer notre ami... Oh. Ah, il tank le bougrin, vraiment. Wouah. En vrai, non, en fait, la team, elle marche. Mais le problème, c'est que si tu fight une team archange, mais t'es pas bien, en fait. Encore une fois, hein, la team archange, hein, c'est... En fait, ce qui est marrant dans le jeu, c'est que c'est toujours les mêmes teams qui sont chiantes, entre guillemets, tu vois. La team archange... C'est toujours pareil, en fait, en Heroes Arena, c'est team archange... Enfin, bref, c'est relou, quoi. Allez, Hélène, termine, ma petite. Crit. GG, Hélène. Même ça, elle arrive pas, quand même. Hein. C'est terrifiant. Hein. Lol. Donc là, normalement, on est censé bah, one-tap tout le monde, en fait. Donc là, pour moi, honnêtement, je vous le dis, hein, pour moi, c'était la team la plus chiante, parce que là, ça sera juste triple AOE, on change de combat. Non mais vraiment, hein, ça sera que ça. Après, tir. En fait, le truc, c'est que là, il perd bah, 20% de stats. Hein, parce qu'il n'y a pas Echidna. Donc, en vrai, pour moi, là, ouais, c'est du one-shot. Hein. En plus, ils ont dû mettre un Tarmel. Non, ils ont pas mis Tarmel Link, ok. Intéressant. Donc, ouais, là, en vrai, pour moi, c'est du one-shot, les gars. Hein. C'est GG well played. Hein. Alors, regardez les dégâts, 540 000.
Enfin, je veux dire. Cuck. Oh! Bah, bah, one shot. Hein. LOL! En vrai, la team elle marche parce qu'il y a le truc spécial là. Hein. Il y a les stats supplémentaires, sinon, sans en vrai, je pense que c'est un peu différent. Ouais. Parce que le truc, c'est que. Bon, on gagne 20% de all stats. Hein. Donc, en vrai, cette team elle est intéressante. Hein. Si bah, vous avez des bonnes stats, en fait. Des bonnes stats, vous avez la règle. Enfin, les 20% de all stats. Enfin, bref. Il y a quand même des défauts, mine de rien. Lol. Ah, le petit pixel. GG Brin. Toujours là pour rendre ouf. GG, t'as cassé mon shield. Et GG à toi. T'as été meilleur, ma grande. Enfin, ouais, en vrai, la team Archange, faut faire attention. Mais le truc qui est cool, c'est que. Ben. Tyr prend le focus. Tu tankes, en vrai, y a pas assez de DPS en face. Après, si tu crites avec Tyr, tu peux. Le combat est un peu plus simple. Là, j'ai loupé quelques crits, il me semble. J'avais crit contre. Comment elle s'appelle? Elisabeth. Bon, après, c'est normal, Elisabeth God de l'époque. Elle est éclatée au sol en termes de stats. Donc, bon, les gars. C'est facile. Mais. Ouais, écoutez, bah, c'est une team qui marche, mais faut faire attention quand même. Hein. Franchement, les gars. En fait, si on pouvait jouer Melio en attaque DCC. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'a pas la CP. C'était plus simple en vrai. Lol. Et bien le jeu. Ah les gars, depuis tout à l'heure, j'ai pas utilisé une seule fois mon cerveau, mais vraiment. Hein. Genre depuis tout à l'heure, les gars, j'ai l'impression que je joue comme un Golemon en fait. Après, dire, ouais, mais tu sais, c'est aussi pire que ça. Oui, je sais, les gars, attention, hein, calmez-vous, parce que bon. Il y en a le truc, c'est qu'il y a des gens, je te jure, des fois en commentaire, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce que je veux dire en fait. Je te jure que c'est abusé. J'ai l'impression t'as des mecs. Ils sont cons, genre. Désolé des termes, hein, mais il y en a vraiment, je vous jure, les gars, zéro van. Ils sont un peu cons, je. Là, j'ai testé de jouer en attaque DCC. On va mettre des pièces vite fait, tac. À tout moment, je peux pas jouer en attaque DCC, j'ai pas la CP. 338 000. En vrai, jouer Elisabeth en attaque DCC, c'est pas mal. Bah écoutez, le. Notre ami, on va le garder en HP. De toute façon, Maël, en vrai, fait des bons dégâts. On peut même le mettre en HP DCC. Pour le LOL. Ce que je vais faire en vrai. Voilà. Donc comme ça on aura un peu plus de stats. Let's go. Voilà, team là les gars, elle marche toujours. Hein. Enfin, c'est une team archange. Avec beaucoup de dégâts. Enfin, c'est classique hein, les gars. Il n'y a rien de nouveau, j'ai envie de dire. On connaît la team. En vrai, c'est des chiens d'avoir mis. Après, à tout moment, les gars, je tue pas en vrai. Hein. J'ai combien de stats avec le Maël? 26 000 OSC. En vrai, le Maël qui a pas de. Ouais, je sais pas, les gars, vas-y, go, on va taper. C'est quoi au pire? Ah! Non. Ah, ça sent mauvais cette histoire, hein. Ah ouais, on one-shot pas, hein. Bah écoutez les gars, on va devoir... Bah là on est mort en fait. L'imule, ok. Alors ça c'est intéressant, tu vois. Là typiquement je suis mort, là je vais prendre un crit sur tout le monde. Voilà, GG. Ok, intéressant. Bon ok, la team, en fait la team faut faire attention. Ah, la team en vrai elle est intéressante. Hein. Bah écoutez, on va reset ici, hop. Tu vois, moi je vous montre que bah, on peut quand même se faire troll si on connaît pas les teams. Mais la team archange, en fait, le problème, c'est que là, on n'a plus la règle. Donc, on perd trop de stats, hein, tu vois. Donc, forcément, on avait la règle avant. Enfin, la règle et l'augmentation de stats. Hein, donc, c'était plus simple. Là, le truc, c'est que, bon, on l'a plus. Donc, c'est pas le même jeu, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, les gars, faut faire attention.
Après, par contre, les mules aussi. Les mules, ils peut troll, hein, ton fluent. Ah ouais, les mules, c'est vous, faire attention. Ouais. Le problème, c'est que les mules, ils nerfent mon spécis ici, donc. Moi, les gars, honnêtement, je vous dis, mon spécis, il se fait totalement nerf hein, des barres. En vrai, je perds pas les latés ici, non? Des barres de rire, hein, vraiment. Hein, me fait tuer. Comme une petite victime. Ouah, les level 3, frérot, à gogo aussi. Il faut arrêter, hein. Il faut arrêter tout ça, les amis, hein. Combien de vie? Ouah, 559 000. Ah ouais, c'est inquiétant tes stats, mon ref, hein. Écoute, on va mettre ça, hop. Comme ça, il va plomber mon réveil fin de tour. Après ça, la team, elle fait des dégâts ok, tu vois, mais tu peux vite te faire troll, c'est ça le problème. Donc là, je vais stun notre ami Limul. Comme ça, après, on pourra essayer de le tuer. Ah, non, moi, on pourra le tuer après, je pense. C'est pas mal de perdre les cartes de notre ami. Est-ce qu'on proc le revive? Oh, en vrai c'est du pixel. En vrai la team les gars Ah c'est quand même galère hein. Franchement les gars faut faire attention hein. Je vous le dis honnêtement ça peut vite partir hein. Ah à tout le monde tu pas l'immule hein. En vrai, je pense qu'ici, une team humaine, c'est meilleur. Hein. Genre, 0 van ici. Hop, la petite fusion pour mettre le troll. Ça va. Mais je pense que, ouais, ici, tu prends une team humaine, ça a plus d'impact, en fait. Hein. Genre, honnêtement, les gars, la team humaine, je pense que c'est plus intéressant ici. Hein. On va se régénérer. Ah, c'est qu'en fait, ce genre de team, c'est un counter. Donc en vrai, les gars, honnêtement, ici, prenez une team humaine. Team humaine avec Roxy. Une team humaine avec Roxy, ce sera plus simple. Moi, honnêtement, c'est la team Archange, je la trouve nulle ici. Ouais, pas ouf en vrai. Donc la team humaine, c'est Escanor, Ban, Eren et Roxy. Genre de team, ça marche très très bien. C'est très très fort. Limite à deux. Je vous jure, les gars, Zero Van a deux doigts de reset juste pour prendre la team. La team humaine, hein, je vous jure. Hein. La team là, je sais pas, j'aime pas. Bah bon, écoutez, on va pas reset, mais... En vrai, je sais pas, la team là, j'aime pas trop. En fait, j'ai l'impression que les combats vont durer 10 ans pour rien. Et ça va vite me saouler. Les bons dégâts de notre ami Maël ici. GG Maël. Mais ouais, honnêtement, ici, bah la team Archange, elle est pas intéressante, je trouve. Le truc, c'est que dès que tu fights une team avec beaucoup de stats, bah tu te sens pas bien, genre typiquement ça, là. En vrai, la team Archange... En fait, là, le truc qui est cool, c'est qu'on aura notre passif d'Elisabeth encore, hein, sur l'aspect. Parce que Libul, il nous l'a enlevé, etc., vous connaissez les bails. Mais encore une fois, je le redis, c'est pas... C'est pas une team que je trouve ultra forte, au final. Un peu le seum. Ouais, j'ai l'impression que je peux proc le revive comme ça, donc attends. Nice. Et deux patates. Quel le combat qu'on m'a dit 10 ans, vraiment. Ah oui. Alors et là ouais et là t'es attention. Et là t'es tu es inquiétante ma petite hein. Ah oui et là t'es t'as un peu gaze en fait. Ah oui et là t'es frérot elle est en train de se faire mes balayes en fait. Je suis mort. What the fuck.
Allez, Elisabeth, fais le taf. Ah non, mais en fait, Elisabeth, les gars, elle fait la team, hein. Je honnêtement. Hein. Elisabeth fait la team. Hein. Mais de très, très loin. Hein. Ah, c'est inquiétant comment elle fait la team. Oh. Merci le revive. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. En fait, la team Archange, elle est bien spéciste, quoi. Hein. Quand elle est pas spéciste, elle est nulle. Hein. Je vous jure, les gars. Elle est nulle. On a combien? On a 4, donc on peut stun. Ouais. C'est qu'elle a été miskine un peu. Ah. Okay. Ah, c'est très inquiétant. Hein. Elisabeth, franchement, les gars, elle me fait peur en hein, défaut. Hein. En fait, Elisabeth, depuis que je l'ai choqué, ils ont PVE. J'ai l'impression que c'est un personnage, mais totalement pété. Je vous jure. Hein. Avant, les gars, j'avais un peu du mal avec ce perso, je trouvais. Enfin, j'ai trouvé, pardon. Ouais, j'ai trouvé forte. Hein. Mais tu vois, il manquait un petit truc. Et je sais pas, les gars, depuis que j'étais en PVE, en attaque, etc. Surtout en attaque, en fait. Hein. J'ai l'impression que bah, le personnage est trop fort. Hein. En HP, le personnage, il manque un truc. En attaque DCC, bah, elle est violente, en fait. Elle est trop forte. Comme la haut de Maël d'avant, parce que je sais pas si ça casse le shield là-haut de Margaret. Ah ouais, ça cassait peut-être le shield là-haut de Margaret, honnêtement, les gars. Bon, bah, elle est un peu cheatée, la petite, hein. Ah, bah, ce qui fait la team, c'est bah, c'est ce perso, hein, genre... GG à vous. GG à vous. Merci, notre amie Elisabeth, d'exister. Les combats sont pas très compliqués avec ce genre de team. En fait, quand il n'y a pas beaucoup de stats, ça va. Mais quand il y a beaucoup de stats, ah, tu commences à suer, frérot. Hein. Vraiment, t'as envie de péter ton écran. Hein. Là, on commence à faire avec les teams un peu... Pas nuls, mais les teams... comment dire? Accessibles pour nous. Je sais pas si c'est le terme utilisé. Mais je pense, les gars, vous avez compris. Skadi. Spoiler, elle peut pas nous nerf. Hein. Ça aussi, c'est pareil. Thermal Link sur Skadi. D'accord. Ah ouais, Skadi, elle va pas mourir, mais tranquille. Lol. Non, mais vraiment, c'est grave. Hein. C'est trop grave. Hein. En vrai, la team Archange, bah, grosse team en termes de PV, c'est pas ouf, je trouve. Mais les autres teams, en fait, c'est simple. Les autres teams, c'est vraiment très très simple. Franchement. Merde, j'aurais dû inverser, je suis con. En fait, au début, je voulais pas faire le buff de Margaret, du coup, j'ai perdu un peu de heal. Mais bon, ça change rien, on est full vie, de toute façon. Mais en soi, c'était pas un peu opti. Ok. Franchement, les gars, je suis pas pris la tête. Hein. Je vous le dis, les teams healing. Hein. En vrai, il y a meilleur. Hein. Encore une fois, les gars, je le redis. Il hein, y a meilleur. Hein, mais. Bah écoutez, ça marcherait bien ça. Donc. Faites vos tests dans votre coin. Et dites-moi en commentaire. De toute façon, il y a. Ouais, en vrai, il y a tellement de teams à jouer, honnêtement. Et GG. Cuck. GG. GG. GG, frérot. GG à toi. Lol. GG Eren. T'as été meilleur. Toujours à chier ce perso quand même. Hein. En vrai, en fait, ce qui est marrant, c'est ce perso tu l'utilises uniquement pour son passif dans la plupart des teams. Mais ouais, bon. Écoutez les amis, bah.
Le Heroes Arena, il était forcément avec des AOCP ultra simples. En fait, maintenant, les gars, on a trop de teams cheatés. Là, c'est aberrant, on a trop de personnages cheatés. C'est... Ouais, bon, bref. Écoutez, les amis, vous connaissez. Bah, GG à moi, j'ai été meilleur, hein. Franchement, les gars. Waouh. Le contenu était compliqué. Ah, c'est que ça s'est mal fait. GG à moi. Bah écoutez les amis, mais ça va regarder. N'hésitez pas à vous abonner, donc là hop on va prendre directement les pièces. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Des bisous. Tchuss.